et bienvenue sur Hashtag Je suis moi. Alors il y a quelques temps, je vous ai fait découvrir le Cécifoot. Et bien maintenant, c'est au tour du rugby fauteuil. Aujourd'hui, je me trouve au championnat d'Europe de rugby fauteuil à Paris. Et je vais rencontrer l'équipe de France et notamment Jonathan Hiverna, le capitaine de l'équipe de France. Je suis ravie de vous faire découvrir une nouvelle discipline. Allez, en route! Quelques dates à savoir sur le rugby fauteuil. C'est en 2000 qu'elle devient officiellement une discipline paralympique et c'est en 2005 que la première équipe de France apparaît. Le rugby fauteuil est un sport collectif mixte d'opposition qui se pratique avec un fauteuil manuel spécifique. L'objectif est de franchir la ligne d'en-but adverse en possession du ballon tout en empêchant l'adversaire d'en faire autant. C'est une pratique pour les personnes ayant uniquement une déficience des membres supérieurs ou bien ayant un handicap touchant les quatre membres. Je suis allée à la rencontre de Michel Terfond, directeur sportif du rugby fauteuil, pour en apprendre un peu plus sur la discipline et sur l'histoire de l'équipe de France. Alors cette discipline, c'est une discipline qui est un peu spéciale. C'est une discipline qui est mixte. Les filles jouent avec les garçons, les garçons jouent avec les filles, comme on veut. Et ça a été une discipline qui a été créée dans les années 70 aux États-Unis et au Canada et qui s'est exportée. Nous, en France, on a commencé avec notre première équipe en 2005 et on s'est qualifié pour les Jeux de Londres d'abord en 2012. Puis celui de Rio et à Paris obligatoirement puisque on sera qualifié d'office. Depuis que l'équipe de France existe et depuis que le rugby fauteuil existe en France, ça a bien progressé. On est parti déjà au départ, il n'y avait que 6 équipes en France, on est à 15 clubs et 18 équipes. Après sur la progression au niveau international, bien sûr, on est parti en 2009, on était à la 23e place mondiale et on a progressé là pour arriver à la 6e place mondiale après Tokyo. Le rugby fauteuil est pratiqué sur un terrain de basket avec une balle similaire à celle du volley-ball. L'objectif est de marquer des essais en franchissant la ligne de fond adverse en possession du ballon. Quelques règles de base pour vous faciliter la compréhension du jeu. 4 joueurs par équipe sont présents sur le terrain. Les joueurs jouent 4 périodes de 8 minutes. La balle peut être passée, lancée, dribblée, roulée ou portée dans n'importe quelle direction. Le joueur en possession du ballon doit dribbler ou passer la balle toutes les 10 secondes. La balle doit traverser la ligne centrale 12 secondes après sa mise en jeu. La balle ne doit pas traverser la ligne centrale vers l'arrière. Si un joueur ne marque pas d'essai au bout de 40 secondes, il perd la balle. Et si un joueur ne respecte pas les règles de jeu, il peut être placé en zone de pénalité et il doit rester une minute. Les joueurs ont une classification sportive basée sur l'étendue de leur handicap. Tous les joueurs sont évalués sur leur habileté fonctionnelle et l'attribution des points par joueur se fait sur la possibilité de mouvement. La force, la souplesse, la sensibilité ou encore le tonus musculaire des membres, mais également sur l'équilibre, la capacité à se pencher, se relever ou les rotations du corps. Les classifications s'étendent de 0,5 à 3,5 points. La somme des joueurs sur le terrain ne doit pas dépasser 8 points. La classification des points d'un joueur caractérise souvent le rôle sur le terrain. Plus les points sont petits, plus les joueurs sont limités dans les fonctions. Plus les points sont gros, plus le joueur est capable de mieux manipuler le ballon. Pour résumer, les joueurs ayant le moins de points sont les défenseurs et ceux avec le plus de points sont les attaquants. Après un match joué contre le Danemark et une victoire amplement méritée, je suis allée à la rencontre de Jonathan Hiverna, le capitaine de l'équipe de France, pour savoir la suite des événements. Avant tout, déjà, c'est une grande fierté de pouvoir représenter la France dans son sport, déjà. Donc, rien que pour ça, toute cette équipe, on forme une putain d'équipe de France. Voilà, je vais pas dire les braqueurs de handball, mais en tout cas, c'est une équipe très soudée qui a su évoluer avec le temps parce que c'est une équipe très très jeune. Elle a été inscrite en 2010, donc là, ça fait 10 ans que l'équipe de France est là et même surpasse les ambitions qu'elle comporte. Et aujourd'hui, la force de ce groupe, c'est qu'on donne beaucoup de matière, chacun d'entre nous, avec les moyens que nous avons. On reste un sport complètement amateur et aujourd'hui,
pour pouvoir avancer encore plus haut, il faudra qu'on s'engage encore plus, que ce soit collectivement et individuellement, pour aller chercher le plus haut niveau. Mais en tout cas, chaque chose en son temps, on va se concentrer d'abord sur cette compétition. On va prendre beaucoup de matière, mais je suis très très fier de cette équipe de France et je suis fier de pouvoir les porter aussi là où ils doivent y aller avec moi. Moi, capitaine, c'est eux qui me donnent tout, c'est juste incroyable. Ils m'ont choisi, mais c'est eux qui me font capitaine et c'est pas l'inverse. Donc je suis très très fier d'eux. Comme je disais tout à l'heure, avant de se projeter dans 2 ans, on a un objectif, c'est ici. Ça serait prématuré de vraiment penser à toutes ces belles échéances, c'est dans un autre coin de notre tête, mais là, ici, on est pleinement dedans. Et je pense que la force de cette équipe de France, ça va être qu'elle va devoir se concentrer comme elle a pu faire sur son niveau de jeu, vraiment, et au-delà des adversaires qui se présentent. Et là, je pense qu'on aura franchi encore un cap pour nous tous. Après une victoire contre le Danemark, la Suisse, la Russie et l'Allemagne, la France était en finale contre l'Angleterre et a réussi à battre les Anglais. C'était un match très serré, 44 à 43. C'est historique car c'est la première fois que la France remporte un titre à l'international et qui plus est face aux Anglais. C'est une équipe redoutable. La France est donc championne d'Europe, ça c'est fait. Maintenant, ils sont en route tout doucement pour Paris 2024. Merci d'avoir suivi ce reportage et j'ai hâte de vous faire découvrir de nouvelles disciplines autour du handisport. On se dit à très vite pour un nouveau reportage.